Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Doug E.T. En célébrité closette. Fashion TV Africa. Alors, moi, je me présente, c'est Miss Kwame Marie-Ange. Actrice, restauratrice, esthéticienne. Bienvenue chez moi. Je vais vous montrer mon mini dressing. Alors, ça c'est... Bon, je rentre à peine de voyage, alors je ne sais pas grand chose. Là, c'est du Ewi. Là, c'est du Awakine. J'en ai fait une collection comme ça. Ça aussi, c'est du Ewi. Et là, c'est des robes de soirée pour faire le moment tranquille. Je suis beaucoup aimée les gens aussi. Alors, là, je vous présente une tunique que j'adore beaucoup. C'est du Awakine. C'est-à-dire, quand tu sors l'après-midi, on vient au restaurant, t'as pas envie d'être surchargé, bien chic et en même temps classe, ça m'a coûté pratiquement 100 euros. Voilà, très simple et très beau aussi. Là, c'est du Ewi Kwaku. Je la mets lors des cérémonies. La dernière fois que je l'ai mise, j'étais invitée à. Au lancement du NSA. Voilà. Et je représentais le styliste. C'était super bon en tout cas. J'adore le pagne, j'adore les motifs qui ont été faits là-dessus et tout. Le tissu, la broderie, tout. En tout cas, c'est un grand styliste qui fait de belles choses. Et cette forme m'a coûté pratiquement 200 euros. Là, je porte du Noli Dress. C'est une robe de Noli Dress, une boutique de prêt-à-porter Paris, États-Unis, à Dijon. Elle m'a coûté pratiquement 1600 euros aussi. Voilà. Lors des soirées, tu sors, tu mets cette robe-là, tu passeras jamais inaperçu. La couleur aussi y est. Et là, c'est des ailes légers. Voilà. Des robes élevées légères qui épousent facilement le corps, qui sont très classe, très soft. On peut paraître facilement très bien habillé là-dedans. Voilà. Ça, c'est une robe aussi qui m'a coûté facilement, je dirais, 300 euros. Pareil aussi ici. Hein. Là, ça vient d'une boutique. Bon, les. Qui est très connu aussi à Abidjan. Ils vendent de très belles robes, de très belles tenues, de sorties, accessoires et autres. Voilà. Celle-là, c'est du Awakening. Particulièrement, je l'adore. Pourquoi? Parce que lors des brunchs, les dimanches, à la chimie, tu peux être sexy et pas dénudée en même temps. Moi, particulièrement, j'adore cette robe. Elle me l'a confectionnée spécialement pour moi. Et jusque-là, je la porte toujours. Ça fait, je ne sais combien de temps que je l'ai, mais je la mets quand même regarder de vous-même. La texture, le tissu, c'est un maillot de bain, hein. En même temps une robe et tout. J'adore tellement cette robe-là. Cette combinaison, elle aussi est du Awakine. Actuellement, j'adore beaucoup le pain aussi. Donc, par moment, je lui ai envoyé juste le modèle et elle s'est chargée de me confectionner cette tenue-là. Attendez que je l'enlève. Voilà. Elle fait très habillée, très chic, très classe. La couleur du pain, les motifs et tout. Elle m'a coûté pratiquement 100 euros aussi. Vous-même regardez de vous-même et puis voilà, elle est très belle, très chic à porter sans problème. T'as pas envie d'être trop mis en valeur, tu la portes. Et celle-là, c'est l'apothéose. Voilà, c'est l'apothéose. Lors des dîners gala, cérémonie, c'est du Ewi aussi, Ewi Couture.
Il a confectionné lors d'une cérémonie particulière pour moi. Et jusque-là, je ne la lâche plus. Elle est dotée d'un bustier. Et d'un bustier et la jupe. La jupe qui traîne les motifs. Les roses, vous voyez vous-même tellement que c'est tellement bien fait. C'est trop beau. Je l'adore. Voilà. Dotée d'une. D'une traîne et voilà. Elle est très belle. Ça, c'est le bustier, tel que comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez quand même, c'est monté avec soin, à la main, surtout à la main. Encore, c'est bien fait avec le motif, le rose, le tissu et tout, la texture. Vous voyez, le motif, bien fait à l'épaule. Voilà, ça tu vois ça, tu es superbement bien habillé, tu ne passes pas inaperçu. Celle-là, les cérémonies, le mariage, c'est-à-dire, tu te mets dans une longue robe brodée, bien belle. Les motifs de ce pain particulièrement me plaisent. Voilà, ça me plaît. C'est très beau, ça fait des motifs artistiques, plutôt, disons. Et la broderie jaune qui fond, qui fait plus accentuer sur le jaune qui paraît dans le pain fondu. Voilà. La robe, tu es bien mise, tu es bien sapée, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu es mise de ton mouvement aussi. Il y a celle-là. Celle-là particulièrement, je l'ai mise lors de l'anniversaire de ma maman. Et elle a vraiment apprécié cette robe, tout le monde l'a appréciée d'ailleurs. La couleur est nude, simple, classe, sans trop être coincée, être tranquille, bien habillée, présentable, tranquille de tête. Voilà, je pense ça. Et il y a. Il y a quelle? Il y a celle-là. Ça, c'est le nouveau bustier. C'est du petit style. Je l'ai acheté aussi à l'Olibresse, boutique à Abidjan, peut-être que je l'ai dit. Désolée, hein, je viens d'entrer donc la truc est un peu en pagaille dans l'Olibresse. Voilà. Ce mot particulièrement, il m'a coûté 50 euros. Ah, une petite style. Je le porte, on peut le porter sur des pantalons, sur des leggings, sur des colons. Et être typiquement bien habillé, c'est du bon. Et là, nous avons les chaussures. Accessoires, montre, je porte seulement que du bon, côté accessoires, je suis beaucoup inconstant et autres, parfum, sac, et voilà. Comme accessoires, bon, j'adore les bijoux, je porte beaucoup d'or, je porte beaucoup de diamants, ça c'est une chaîne que j'adore parce que c'est le cadeau de monsieur, et voici les montres que j'aime du Alcudor, du Festina, de Casio et les sacs que j'ai, les pochettes. Il y a des Yves Saint Laurent, il y a des Dior, un peu de tout. Alors, là c'est ma crème hydratante. J'espère que vous le voyez soit très plus de peau. Elle vient directement de Paris. Et là c'est du Bleu de Chanel, mon parfum que j'adore particulièrement. Je viens de chez Zino. Là, c'est du Zara. Voilà. Du Amber, du Black Amber. Particulièrement chez Zara, c'est la seule. Comment on appelle ça? La seule odeur que j'aime beaucoup. Elle vient du Gaza, Maroc. Et celle-là, c'est une nouvelle collection. Maïssa, qui m'a été parvenue comme cadeau d'anniversaire. Une amie depuis Paris. Voilà. J'adore beaucoup les deux particulièrement. Je vous le conseille vivement. Et il tire un peu sur l'odeur très terre brûlée, bois d'argent et tout. Donc, après, il est composé de gel douche, déodorant et eau de parfum. Je ne suis pas très maquillage, je ne me maquille pas beaucoup. Je fais simplement ce qui me va. Là, c'est du Maybelline. Là, je, comme base, je mets juste ça.
un petit peu de poudre, un peu de nude, et voilà. Comme accessoire, comme paire de chaussures. Je suis beaucoup talons, très haut. Je porte beaucoup de talons. Là, c'est des escarpins. Je les adore particulièrement pour les sorties tranquilles. Ça fait classe, ça fait chic, ça fait super bien habillé. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire des chaussures ouvertes, des talons tranquilles, sandales ouvertes aussi. Avec lesquels on peut sortir, se faire un dîner, se faire un après-midi, sans pour autant être très habillé et tout. Ça fait aussi chic. Et il y a mes préférés. Celles-là particulièrement, je les adore. Je les porte tout le temps. Lorsque je vais à des anniversaires, dîner, mariage et tout, j'adore particulièrement la fourrure qui est variée. Elle est très confortable. Elle est haute, c'est du 15 cm, mais elle est très confortable. Voilà des sandales. Je ne porte pas de tapette. Hein. Voici moi mes tapettes à moi, les voici. Elles ne sont pas très hautes. Voilà, on peut les porter la journée, aller au marché, aller faire des courses au supermarché. Ça, c'est mon petit sac. Voilà. C'est-à-dire quand je dois aller quelque part, que j'ai envie de prendre une grosse valise, là, celle-là, elle prend pratiquement 5 à 6 ensemble, 5 vêtements, je suppose que c'est du Chanel aussi. Ça c'est du Dior, c'est un sac que j'adore particulièrement. C'est un cadeau d'anniversaire aussi d'une amie qui a sa boutique à Abidjan, au Montlet, ça s'appelle Léla Travail. Je l'adore beaucoup, parce que la couleur se marie pratiquement avec tout ce qu'il y a comme vêtements, c'est-à-dire on peut la mettre sur du blanc, sur du bleu, sur du noir, sur du rouge. Ça colle avec tout et puis c'est facile en fait, ça prend beaucoup de choses. Voilà, c'est du Dior, ça vient de la distinction. Voilà, la robe de là-haut. Ça marque la taille, ça permet de bien affiner la taille, tranquille, ça vous dessine et puis voilà. C'était tout, c'est le mini dressing de Marie-Ange Poimet. Je vous dis merci et à très bientôt. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Dougiti. Célébrité closette.